Good afternoon, beautiful people, and thanks for joining us on Africa TV. In this new edition of our news report, we are going to talk about the 5% tax implemented on income generated by online sales, and why not evoke that of influencers. To gain more insights on this issue, Africa team has invited a specialist in public policy and public management. But before we get to him, we are going to take the following excerpt on the different opinions of online vendors. Africa TV, au-delà des idées reçues. A surprise for many online sellers in Cameroon is still shocking, since a rate of 5% for the non-commercial profit tax is established for people using social media to sell goods or services, exchange articles, or participate in collaborative economic activities online. This is consistent with measures to expand the tax base set out in the 2024 finance law, according to a note revealed on December 29, 2023 by the Minister of Finance, Ripo Mutaze, a decision not well received by many. Je crois que le ministre doit essayer de revoir ce décret parce que nous avons des étudiantes, surtout nous les vendeurs sur place, nous avons des étudiantes qui viennent ici chez nous prendre des articles et partent mettre en ligne pour avoir aussi un peu de bénéfices, parfois pour payer même leur pension. Vous voyez que s'il faut encore leur taxer 5%, ces jeunes filles vont aller où ça serait vraiment très difficile pour elles. Donc nous demandons à monsieur le ministre de revoir un peu ce décret. Ça serait très difficile pour les petites filles, même pas les petites filles, même pour les mamans qui sont à la maison, qui partent un peu dans les boutiques prendre des articles et mettre en ligne pour se débrouiller, pour gagner un peu leur pain quotidien. Donc vraiment, de ma part, qu'il essaye un peu de revoir ce décret. Puisque nous, jeunes, nous sommes un pays émergent et nous n'avons pas tout compté sur les concours. Donc nous avons décidé de créer certaines initiatives comme la vente en ligne pour mieux s'en sortir. Puisque nous qui faisons la vente en ligne, c'est parce que nous n'avons pas assez de moyens pour avoir une boutique comme dans notre commerçant. La raison pour laquelle nous préférons vendre en ligne, mais étant donné que l'État, c'est une sorte d'impôt, comme si nous autres devions payer l'impôt. Et c'est vraiment un truc vraiment qui ne m'arrange pas. Puisque même étant en ligne, on ne s'en sort pas. Puisque nous prenons chez les gens qui ont déjà des boutiques, chez les revendeurs, ceux qui ont déjà des boutiques pour essayer de revendre aussi en ligne, pour avoir un petit gain. Les 2 000, 1 500, ce n'est pas beaucoup. Donc vraiment, je ne suis pas d'accord avec cette initiative de l'État. Déjà, nous avons assez de taxes que nous payons en ligne. Facebook déjà nous facture. Les banques aussi nous facturent. Donc déjà, s'il faut encore payer des taxes à main levée, moi, je ne sais pas comment nous allons gérer ce problème. Parce que déjà, non seulement nous payons des taxes en ligne prélevées par Facebook, nous payons encore des taxes prélevées par des banques lorsque nous faisons nos transactions de virement d'argent de banque vers nos pages Facebook pour travailler. Donc déjà, les ventes même ne nous procurent pas grand-chose. Mais nous passons le temps à rembourser. Si on ne paye pas Facebook, on ne peut pas travailler. La banque aussi, tu vas parler verser de l'argent dans la banque pour virer à Facebook sans que la banque ne prélève sa part dessus. Donc tout ça, on se recouvre à ne pas gagner grand-chose. Mais on maintient le coût. Mais si au jour d'aujourd'hui, il faudrait encore que nous payions des taxes à main, vraiment, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. On a essayé déjà de travailler au gouvernement, on a fait des trucs, ça nous a dépassé. Avec tout le bagage intellectuel que nous avons ici, il n'y a pas de travail. On a décidé maintenant de créer le couloir, de continuer à prospérer dans la vente en ligne. Et d'ailleurs, tous nos clients sont satisfaits de la vente en ligne. Tous les clients actuellement au Cameroun sont satisfaits de la vente en ligne. Et sur quoi nous sommes tranquilles dans ça. Le peu de taxes que nous payons là, ça nous permet de survivre. Donc au-delà de ça, vraiment, nous, on ne sait pas là où nous irons. Ouais, vraiment, ça va nous dépasser. 5%, je pense que c'est extrêmement beaucoup. D'autant plus qu'il va falloir tenir compte de ce que les vendeurs gagnent. Donc je me dis que on aurait pu faire en sorte que ça soit en fonction de ce que tu gagnes. Tu vois, on aurait pu mettre 2%, mais qu'on généralise, on dise 5%. Je trouve que c'est un peu trop. Surtout pour un début comme ça, c'est un peu trop.
Wafrica TV, au-delà des idées reçues. De retour sur le plateau de Wafrica TV avec notre expert, le docteur Jean-Émile Novola. Il est spécialiste en politique publique et management public. Bienvenue, monsieur. Merci, madame. Ok, d'accord. Nous allons parler des taxes imposées sur les ventes en ligne. Expliquez-nous le cadre juridique de la nouvelle taxe de 5% appliquée aux revenus générés sur les ventes en ligne. Très bien. Une fois de plus, merci. Vous me posez la question de savoir le cadre juridique de cette nouvelle taxe de 5% qui est appliquée sur les ventes en ligne. Je commencerai déjà par dire que l'appellation pourrait tromper. Il ne s'agit pas d'une taxe en tant que telle, c'est un impôt. C'est vrai, le nom taxe pourrait prêter à confusion, mais il s'agit d'un impôt. Et comme tel, son cadre légitime, ce serait... non seulement les décisions, non seulement je disais ce sera le code des impôts qui serait sa base originelle, mais encore nous avons depuis le novembre, je dirais décembre 2023, la décision du ministre qui fixe le cadre général de cette taxe-là. Et cette taxe est basée sur quoi? Il ne s'agit pas seulement d'une taxe sur la vente en ligne. Il s'agit d'une taxe qui s'applique sur les ventes en ligne, les services rendus en ligne, toute activité productrice de revenus effectuée en ligne. Ce sont ces activités-là qui sont couvertes. Et lorsque cette taxe a été rendue publique, le comment des Camerounais a pensé que c'était seulement les influenceurs ou influenceuses qui étaient concernés. Ce n'est pas le cas. Principalement, il s'agit de taxer tous les revenus qui sont obtenus par les canaux et numériques. Ce sont ces revenus-là qui font l'objet d'une taxation. Ce pourrait être, je peux permettre la répétition, une vente, un service rendu, une activité. Mais dès l'instant que cette activité effectuée sur une plateforme numérique produirait des revenus, elle tomberait sous le registre de cette taxe-là, de 5%. Oui, pouvez-vous nous dire comment cette nouvelle fiscalité bénéficiera-t-elle les Camerounais, les citoyens camerounais et ensuite et aussi à l'État? Bien. Autant pour moi. Ce serait aller très vite en besogne de se poser cette question, de savoir comment est-ce que cette taxe-là bénéficiera aux Camerounais et éventuellement à l'État. Ce serait très vite aller en besogne. Mais il est déjà... important de savoir que sur la base de la circulaire ministérielle qui fixe le champ d'application de cette taxe-là, il est clairement dit, il n'est pas mentionné le montant exact de ce que cela va rapporter, mais c'est, comme je le répète, c'est toutes les activités productrices de revenus qui utilisent des canaux numériques. Maintenant, comment cela bénéficiera? C'est quoi un impôt? Un impôt, c'est en principe un prélèvement pécuniaire à titre définitif qui est effectué, censé bénéficier à un État, à une collectivité locale ou encore à une entreprise publique ou parapublique. Et lorsque ces revenus sont collectés, c'est pour assurer le fonctionnement de cette structure-là qui pourrait être l'État, une collectivité locale ou encore un établissement public administratif. Donc essentiellement, c'est pour renflouer les caisses de ces structures pour assurer leur fonctionnement. Donc il ne s'agit pas d'une redevance qui serait affectée à un service spécifique. Parce que c'était la redevance, nous avons par exemple la redevance audiovisuelle. Lorsqu'elle est perçue, c'est pour assurer, être reversée à la structure qui fait de la production audiovisuelle. Nous n'avons pas affaire à une taxe. Je l'ai dit au début de mon propos, nous avons affaire à un impôt. Et comme tel, l'impôt est reversé au niveau des fonds publics pour permettre le fonctionnement soit de l'État, soit d'une collectivité locale ou enfin un établissement public administratif. Donc je souhaiterais qu'on ait cela à l'esprit. Il ne s'agit pas d'une redevance qui serait affectée au service, à un service spécifique, non. Il s'agit d'un impôt et lorsqu'il sera récolté, il sera reversé dans les services de l'État pour couvrir les charges publiques. Nous avons ce problème-là puisqu'on évoque aussi ceux qui vendent les 16 étudiants-là qui utilisent les groupes WhatsApp pour promouvoir les articles, est-ce qu'ils sont aussi concernés? Bien. Bonne question, madame. En principe, c'est une activité qui est réglementée. La vente sur la base des réseaux sociaux, qui est communément appelé le commerce numérique social. C'est quoi? C'est une vente qui est effectuée sur la base, on s'appuie pour mener à bien cette vente sur un réseau social. Et ces activités-là peuvent être taxées. Pourquoi elles peuvent être taxées? Surtout se poserait la question de savoir, mais comment
effectuer, comment mener à bien une telle activité, à savoir taxer la taxation de ces individus. C'est très facile. Les services des impôts peuvent répertorier des personnes qui effectuent des ventes. Et vous savez, chaque fois qu'il y a vente, il y a un versement. D'accord. Et le versement, il est effectué par un canal, qui peut être un canal bancaire ou encore tel que cela est fait au Cameroun par les opérateurs économiques qui ont des transferts d'argent. Il suffit maintenant. Les services des impôts ont la compétence et l'habilité à interroger ces administrations-là, que ce soit des administrations privées, que ce soit une banque, que ce soit le service de transfert de fonds d'une compagnie téléphonique dont je voudrais tel ou non. Ils peuvent donc se rapprocher de ces services, interroger les transferts qui sont faits auprès des différents individus intervenant dans ces plateformes, je ne veux pas citer le nom WhatsApp, mais ces plateformes des réseaux sociaux, et questionner les montants qui sont transférés dans leur compte et taxer cela. Et n'oublions pas une chose, peut-être je vais vite en besogne, le système camerounais, notre système fiscal, c'est un système déclaratif. Que vous voudrez qu'une fois que vous fassiez des revenus, vous êtes censé vous rapprocher des services compétents et déclarer les quantités ou les revenus éventuels que vous gagnez. Une fois que vous l'avez fait, l'administration fiscale a la possibilité ou a l'apanage ou a la capacité de questionner ce qui est fait comme revenu ou ce qui est fait comme bénéfice et taxer cela. Avec le risque que s'il n'y a pas cohérence entre vos propos ou vos déclarations et les constats des administrations fiscales, vous courez le risque de voir un redressement fiscal avec tout ce qui va avec comme sanction. D'accord. Et quelles mesures seront prises pour les politiques fiscales, pour que les politiques fiscales soient justes et équitables pour les citoyens camerounais? Quelles mesures seront prises pour que la politique fiscale, si vous voulez, à moins que je me trompe, pour que la politique fiscale soit juste pour les Camerounais. Voilà. Mais parler de l'aspect juste de la politique fiscale au niveau des Camerounais, je crois que là vous évoquez ce que nous appelons communément la théorie optimale de l'impôt, qui voudrait que l'impôt ait un rôle de répartition primaire des revenus au sein d'une population. Parce qu'il faut le dire, l'impôt vise à faire quoi? L'impôt a un aspect social, un aspect politique et même un aspect économique. L'impôt, il ne s'agit pas seulement de récolter des fonds, mais ce sont des fonds qui peuvent servir à assurer le développement économique par la réalisation des grands projets. L'impôt également peut permettre de financer les projets sociaux, construire des écoles, des hôpitaux et soutenir les populations qui sont en démunis. Donc, le fait comment notre politique fiscale peut mener à bien, ou comment notre politique fiscale peut permettre aux Camerounais de bénéficier, ou comment les Camerounais pourraient tirer profit de cela, c'est simplement parce que les revenus qui seront effectués, les gains de cet impôt-là seront reversés dans les caisses publiques. Et à partir de ça, les répartitions appropriées seront faites. Donc dire de manière directe comme ça que comment est-ce que notre politique fiscale pourra bénéficier aux Camerounais, c'est pas seulement sur la base de cet impôt spécifique. D'accord. Qu'on appréciera la politique fiscale camerounaise en termes de justesse, mais ce sera beaucoup plus en termes sur l'aspect global, comment est-ce que les impôts collectés au niveau du Cameroun, comment est-ce que notre système fiscal mène à bien ou comment est-ce qu'il est implémenté de manière à permettre aux citoyens lambda de tirer profit de notre politique fiscale. Mais sachez déjà une chose, c'est que la politique fiscale, sur la base de la théorie optimale de l'impôt, voudrait que l'impôt permette, joue un rôle d'égalisateur. Il égalise en fait, pourquoi? Parce qu'il récolte chez A, chez X, il permet de récolter chez X et de donner à Y. Ou encore, ce qui est récolté chez X peut permettre de mener à bien des activités qui vont bénéficier au grand nombre. Donc c'est sur ce registre-là que notre politique fiscale va jouer le rôle de justesse. Elle peut être appréciée comme étant juste ou pas. Et là maintenant, à l'appréciation à ce niveau, moi j'apprécierais ici pourquoi au niveau de la mise en œuvre de notre politique fiscale, quelles sont les politiques qui sont adossées sur nos politiques fiscales pour mener à bien les projets de développement locaux qui pourraient avoir un impact social, économique ou même politique. D'accord, ok, merci beaucoup monsieur. Okay, to conclude this interview, just give a piece of advice to all the online vendors out there. What can you say? Maybe you will be surprised, but the things I'm going to say like an advice will be to say to them like it now, following this, the this last taxation, is better for each of them to contact the taxation administration and try to make a declaration about what they are gaining every month. From that, they will be able to receive what they should pay, like a taxation every month. Why? Because if
they don't behave like this, they could be considered like avoiding the taxation, and it could be very dangerous legal for business. Them. Yes, it will be legal business. It's very dangerous. So it's better for them to comply to what is going to be like now, to declare what they are gaining online. Even if it's small money, it's better for them to declare all what they are gaining online and to enjoy their business online. Of course, there is no way to complain about or to be afraid of. No. It's better to come close to taxation administration, declare what they are gaining online. It will be better for each of them. Okay. Thanks so much, Dr. Emile Jean-Emile Nobola. You achieved it. Well, it's a pleasure receiving you here on Africa TV. Okay, thanks. What a pleasure. I'm always available for you. Thanks. Okay, dear televiewers, we have come to the end of our interview. Thanks for tuning out.